Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur My Little Box du mois de janvier. Donc je l'ai reçue aujourd'hui, je ne l'ai pas encore ouverte, j'ai juste enlevé le carton pour vous éviter le crac du carton. Et donc ce mois-ci, elle s'appelle My Little New Life Box. Donc New Life pour la nouvelle année, je pense. Donc va l'ouvrir évidemment, sinon je ne sais pas ce qu'il y a de temps. Pour toutes celles qui l'ont pas reçu encore, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo plus loin. Donc on l'ouvre, ça se présente toujours de la même façon. Alors on enlève le petit nœud. Et donc en premier, on a une petite étiquette. Évidemment, c'est My Little Box, donc il y a un petit peu de papier, mais là il n'y en a pas beaucoup, je vois. Donc il y a marqué Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. Alors ensuite, donc en premier goodies, je vois un agenda 2013, donc qui se présente comme ça, avec plein de petits zigouigouis. Je vais essayer de vous faire un petit. Il a l'air pas mal, donc c'est un agenda 2013. Donc quand vous l'ouvrez, ouais, donc c'est comme ça, c'est très bien parce que ça fait des grandes parties pour écrire. Donc il est illustré avec plusieurs choses. Là on a des petits nœuds. Là des... je sais pas. Des petits points. Des petits points. Non, c'est pas mal. Moi, il y a des petits mots de temps en temps à chaque fin de mois. Vers la fin des mois. Petite challenge, photo du mois. Avec votre smartphone, vous avez un mois pour photographier vous, votre petit déj. Ah, c'est pas mal ça. Je compte peut-être le faire en tag ou un truc comme ça. Je vous ferai plus de précisions, je vais y réfléchir, mais je trouve ça pas mal. Je vais mettre là. Il y a un petit marque-page en plus. Ça, c'est pas mal. Bon, il y a des espèces de petites étiquettes à découper pour coller sur des cadeaux. Il y a des listes de courses. Il y a un calendrier comme ceci, un répertoire et des pages de notes. Il est franchement pas mal. Ensuite, en deuxième goodies, on a. Oh, c'est trop bien! Une barrette. Je sais pas, vous voyez, j'ai l'impression que c'est flou. Donc là, on a une barrette. Donc, à la couleur taupe. Donc, qui s'attache en comme ça. En fait, c'est une pince. Ouf. Ça, c'est vachement bien. Elle est super belle en plus. Franchement, très bien. Ensuite, on a un petit pochon comme ça. Enfin, un petit sac comme ceci. Donc, j'ai l'impression que c'est un bracelet. Donc, ça s'ouvre. Mais qu'est-ce donc? Alors c'est un bracelet tout à fait comme ceci avec un petit machin au bout, donc je vais essayer quand même de vous le zoomer ça. Alors en fait c'est un petit truc comme ça avec marqué Dream Big, donc il y a marqué Dream Big, donc je pense que c'est il me semble Dream c'est rêve et Big c'est gros, donc ça fait gros rêve, et donc c'est un espèce de petit bracelet, donc c'est plutôt joli. Encore un goodies. Ouais, c'est la fiesta aujourd'hui. Donc, c'est une petite boîte ronde. Donc, ah, ça s'ouvre. Ah, c'est des crayons de couleur. Bon, c'est pas super utile. Faut le reconnaître. Donc, c'est des petits crayons de couleur. On a un vert, bleu, noir, j'ai l'impression. Ah non, c'est un crayon de... on dirait un crayon de papier, celui-là. Ouais, c'est un crayon de papier. Jaune et rouge. Donc ça c'est un petit peu je le donnerai sûrement à ma fille. Et ensuite nous arrivons au pochon. Ah non, on a deux petits papiers. Il y a le menu et on a deux petits papiers. Donc My Little Beauty. Alors en fait ils nous préviennent que en 2013 ils vont nous envoyer un produit de beauté qu'on n'aura jamais vu ailleurs, signé My Little Beauty. Donc c'est une, visiblement une gamme qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc c'est cool. Ah oui, ça j'en ai entendu parler, c'est une nouvelle box, c'est la Gambit Box. En fait ils vous envoient deux comment ça s'appelle, collants par mois, un espèce de neutre, enfin, tout simple, et un fantasy. Alors dans la box en produit nous avons de l'huile de beauté à la carotte, ravive le teint et assouplit visage, corps et cheveux. Ouais. Conseil appliquer l'huile de beauté en massant jusqu'à parfaite pénétration. Bah écoutez, j'utiliserai sur le corps. J'ai du mal à m'imaginer me mettre de la carotte sur le visage. Je vais l'utiliser sur le corps. Et donc c'est la marque Evoluderm. Et je vous dirai.
Et si vraiment ça fait bien, j'essaierai aussi sur mes pointes pour voir ce que ça peut donner. Et je vous en reparlerai. Ensuite, ah voilà, donc c'est ça, c'est My Little Beauty, donc une crème pour les mains. Donc le packaging est mignon, les petites étoiles et tout. Donc je vais l'ouvrir et je vais la sentir. Une petite opercule. Voilà. Hop. Elle sent bon. Ça sent le produit pour bébé. Elle sent super bon. Crème main douce alors. Elle sent très très bon. Je suis bien contente. Et en dernier, nous avons un maquillage, les filles. Donc c'est de la marque Arc-en-Ciel. C'est un vernis. Donc moi j'ai eu le numéro 07. Ultra Juice Pink. Donc c'est vraiment un rose. Je vais essayer de vous zoomer cette. Voilà, donc c'est un rose. Un rose fuchsia. Vraiment très très rose. Vous voyez rien avec la luminosité de merde qu'il y a. Oui, je sais, j'ai deux gros boutons. Mais je suis vraiment contente parce que ça nous fait un maquillage. Donc ça, c'est cool. C'est une brosse toute simple. Hein. C'est la taille standard, on va dire. Et ça, je suis vraiment contente. Donc, j'espère que je suis pas floue. J'ai pas fait de mise au point. Donc voilà pour ma petite box du mois de janvier que je trouve sincèrement plutôt pas mal. Ça commence à s'améliorer, je trouve. J'ai bien fait de pas me désabonner. Le mois prochain, c'est la box de Saint-Valentin, il me semble, puisque c'est le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Donc je pense qu'on devrait avoir une box assez intéressante, peut-être quelque chose pour se faire, pour se pouponner ou des choses comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je pourrais j'ai hâte de dire donc. Cliquez sur j'aime si vous aussi vous avez compté le nombre de donc. Donc voilà, ou abonnez-vous. Donc voilà. J'allais encore le dire. Je vais du coup vous faire des bisous et je vais vous dire évidemment à la prochaine vidéo. Bye bye.